À part ça, t'as quoi? Potion de soin, on s'en fiche. Il n'y a rien dans ton pot de paille. Hein. Celui-là, une flèche elfique. Un bouclier palin, une épée. Des casques. Ce qui va là, j'avais bien entendu des choses. Ça vous apprendra. Ah ben un peu d'or. Il sort d'où lui? Je suis venu par ici, j'ai vu personne. Bouge pas hein. Merci. Hey. Oh. Tiens, j'y voyais rien, mais je suis quand même eu. Quoi ce truc qui bouge là? Il y en a un autre. Personne, hein, du calme. On recommence là, hein. À courir partout, moi je vais m'améliorer à l'arc. Et là c'est très bien d'avancer discrètement. Au moins, je m'en suis plein à l'arc. Donc de là je suis passé. Donc j'aurais dû normalement en suivant. Les œufs. J'en récupère plein parce que c'est très utile ça. Pour l'alchimie. Et comme c'est une des compétences que je me suis lancé dedans, mais j'ai pas pu la monter à 100, il va falloir que je repasse quelques potions à l'occasion. Voilà, des œufs de chorus, je vais en avoir une centaine à la fin. Bien. Aïe. Si il se ferme la porte sur le nez. Ah mais tu sais ouvrir les portes. Bien ça. Ouais, le champignon, voilà. Ça rentre bien. Cela. Bien comme ça. Bon, ben voilà. Bonne chose de faite. On va voir, je remène ce coin. Ce petit couloir, c'est celui que j'aurais dû emprunter normalement. Si j'étais pas passé par en haut. Mais comme je suis passé par en haut, il doit y avoir un corps de Falmer dans l'eau. Non? C'est pas un corps de Falmer. Celui que j'ai tué là-haut, il doit être là, son corps. Mais j'ai tué, il était là-haut. Il est tombé, ouf. Il a fait pouf, il a suivi le courant, s'il y a du courant. Est-ce qu'il y a du courant, ouais. J'ai pas l'impression de voir, mais c'est pas grave. Tant pis. On s'en fiche, hein, c'était pas pour garder. Alors. As ya. Là, il n'y a personne. Il n'y a rien à l'intérieur. Là-bas, on voyait quelque chose. Oula. Je ne l'avais pas vu.
ce serait bien que tu ailles de l'autre côté. Voilà. C'est bien, t'es obéissant. Non mais plus encore de l'autre côté. Parce que là, là-bas derrière, il y en a un autre. Je voudrais pas qu'il te voit quand tu meurs. Vas-y, cours. J'avais bien entendu quelque chose. Un vrai travail de fou. Idiote. C'est arrêté de courir un peu. Ferraille doit venir. J'ai pas fouillé ce coffre. Améthyste, diamant, flèche de la mer, de l'or. Truc. Je voulais voir mes flèches. Objet, je voulais voir le poison que j'ai utilisé. Voilà, ça sera fait. Les vénères. Je les lâche parce que je n'en sers pas. Je voulais prendre. Je voulais prendre un truc, mais je me rappelle plus. Dans mon inventaire, c'était les flèches. J'ai des flèches de la mer. Ouais, elles sont pas terribles les flèches de la mer en fait. Ok, les deux mers, c'est les plus faibles. Et là, on va utiliser celle-là. Vu que les mecs j'arrive à les flinguer facilement. Même si mon acolyte elle ne connaît pas le mot discrétion. Allez hop. Alors ici il y a quoi? Non, ton panier il n'y a rien. Non, ton panier il n'y a rien. Tac tac tac, vous avez de la bouffe, ok. De la mura qui cuit, carbonisé. Je vais ramasser un carbonisé. Là j'étais pas mort. Et là, il y a quoi? Dormir pas de bail. Hein. Mura carbonisé, c'est un ingrédient chimique. Passe. C'est celui de celui-là, hein. Ouais. Là, il y a des ingrédients chimiques. Hein. Et tout ce qu'ils ont comme ingrédients, c'est bizarre que les Falmers ne soient pas mis à l'alchimie. Ça c'est rien. Celui-là, j'ai vérifié ce qu'il y avait dedans. J'ai déjà regardé. Prix rire. Note déchirée. On va lire ces notes à prix rire. Objet. Note déchirée. Si. Note déchirée. Qu'est-ce qu'il raconte? Ils sont tombés dessus au crépuscule par douzaines, les gardes ont été tués en un même temps, ils sont emprisonnés tout le reste, courant dessus de ceux qui résistaient. Un par un, ils ont amené les autres, nous jetant à des moments à ces monstres. Au pire, je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, et ils disent mon amour, si tu reçois ce mort, bonjour, pardonne-moi, je vais fier rire. Bon, donc il y a une femme qui s'appelle Heidi, qui cherche son amour, fier rire. Donc il y aura certainement une quête comme ça. Ah ah, niveau expert. Alors ça va casser le crochet. Hein. Bon, c'est pas tout droit. Déjà, on le sait. Ah. Ok. Donc j'ai trouvé à peu près. Mais comme c'est niveau expert, c'est au millimètre, donc je vais pas l'avoir de suite, hein, je pense. Ah, je vois à peu près où il est, mais... Oh non. Bien. Bon, diamant. Flèche de mer. J'ai dit qu'elles étaient nulles, ces flèches. Alors, je les prends plus. Hop, voilà. Ah mais c'est l'arrière d'une cahute, ok. Bouge de là. D'accord, c'était juste leur présent ici en fait. Je
charbon. Le pied de l'éviterne. Un prisonnier. Sûrement sur les jets, je crois. Ah, c'est une prisonnière. Ou un prisonnier. Est-ce que c'est une prisonnière? Bon, mais désolé. Hein. Je ne peux pas vous donner d'enterrement décent. Toc, toc, toc. Donc c'est par là-bas, la suite. C'est une petite caverne intéressante. As Yamir. Qu'est-ce qu'ils font comme rituel ici? Alors, l'erreur aurait été de lui tirer dessus. Parce que je sais que je vais pas le flinguer en lui tirant dessus, c'est le chef de toute cette petite troupe de Falmer. Il est tout blanc comme ça, à mon avis, il est un petit peu plus puissant que les autres. Donc, comme les Falmer sont aveugles, on va en profiter, s'approcher, l'attraper comme un malade. Comme ça elle est morte, les autres ils vont sortir. Normalement, j'avais bien entendu quelque chose. Pas vu rien, mais bon. J'adore les morts vivants que... Les morts vivants que Karanim y parle. J'adore. Bâton de stalactite, ils sont morts, je prends. Là-bas, il y a une sortie. Hop. J'espère finir assez rapidement cette caverne, parce que je pense... Oui, c'est bien. Prisonnier, bah oui, mais prisonnier mort. Donc, je vais aller voir ce qu'il y a là-dessous. Ce Valmer, il a pas mal d'or. Oui. Bon, déjà il y a de l'eau. Sans? Sans quoi? Récolte, récolte. Oui. Allez, récolte. Allez. La chimie va... Oui, ça va. Une autre minerve. C'est... Je me le refais une fois, je dis. J'avais prévenu, hein. Bon. Et j'avais pas vu un passage là. Moi j'étais persuadé qu'il y avait un passage. Bon, il n'y a pas de passage. Celui-là que j'ai tué, il avait des ailes. Donc je prends ses ailes. Hop, le poison on laisse, mais c'est un plus de poison. Bon, ben moi qui pensais qu'il y aurait peut-être un mot de puissance. Rien. Et une bourse. Une bourse toute seule là, des chapeaux blancs. De la mora. Qu'est-ce que c'est une casse ici, on s'en fiche. Par contre, il y a vraiment des objets. Bec de faucon, je prends. C'était ce mot que je prends. Mais vraiment, je disais des objets et tout ça qu'on progrès du crochetage. Bien ça. Progrès du crochetage. Bon, mais je pensais que c'était un livre de compétences, mais non, a priori non. Ici, améthyste, malachite, marteau de capture d'âme, ça va, on s'en fiche, l'élection suprême. Oh, je porte trop d'objets. Alors,
On porte trop d'objets. Déjà, je sais que j'ai quelques trucs à lâcher. Genre les paniers en olivier là. Parce que j'en ai en ramassé 3 ou 4. 4. Donc 8 minerais et j'ai pas grand chose là. Je pèse déjà trop. Ah oui. Non, je sais pour ça. Pourquoi? Bon, j'ai bouffé tout ce que j'ai à bouffer. Les pommes de terre, la soupe, la maison. J'ai gagné 10 unités. Bon, ce qui pèse, c'est surtout toutes mes potions. Parce que mine de rien, j'ai 32 unités. 32, 30, plus de 35 unités prises par mes potions d'invisibilité. 35 actuellement, voilà. J'ai descendu à ce chiffre à 35. J'ai beaucoup trop de potions, quoi. Disons que j'ai acheté ça à Rogi. Quand je lui revendais des objets, comme ça il avait plus de thunes, il pouvait donc me racheter plus d'objets. Mais bon, en disant d'un autre que j'aurais des potions. J'aurais peut-être dû en laisser quelques-unes chez moi. Bon, on atterrit où? Où est-ce que j'atterris? Hop là, je me suis perdu du coup. Alors, un petit coffre. Ah d'accord. Ok. Bon, ben la sortie, elle est par là. Ah ben voilà, fini. Donc il commençait à en avoir marre en plus. Ça tombe bien.